Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs, des écouteurs intra-auriculaires. Vous vous rappelez le casque Evo qu'on avait testé? Tous ceux à qui je l'ai fait essayer et tous ceux qui l'ont acheté m'ont mis en commentaire en disant « Franchement, pour le prix, le son, il défend, c'est vraiment un des meilleurs casques qu'on peut avoir à ce prix-là. » Et bien, sachez que la marque remet ça avec les One More Evo, des écouteurs intra-auriculaires, réduction de bruit, super son, prix d'enfer. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, on commence aussi par côté de la boîte. Dans la boîte, on va avoir notre coffret pour changer nos écouteurs. On aura deux écouteurs, un gauche et un droite. On aura un petit jeu de coussinet. Moi, je vous conseille de mettre le plus grand et de redescendre après en fonction de votre oreille. Et un câble USB vers USB type C. Bon, parlons un peu de notre coffret. C'est joli ce petit boîtier, ça fait un peu boîte à bijoux au coquillage, comme vous voudrez et tout. Alors, bon, il est quand même plutôt simple. Alors, l'inscription, elle est dedans, au milieu, au fond, là-bas. Je trouvais pas les milliampères. Il faut juste être cherché. Bon, à l'avant, on a une prise USB type C pour pouvoir le recharger. Et en dessous, on a un bouton soit de reset, soit d'appairage, si jamais voilà, vous avez loupé le truc. Au niveau de la batterie, on parle d'une batterie de 450 milliampères. Ok. Eux, ils annoncent que tu vas pouvoir recharger tes écouteurs pour avoir une autonomie totale de 28 heures. Et il est également rechargé par chi, oui, avec de la recharge sans fil. Alors ils annoncent, voilà, 15 minutes tu pourras utiliser pendant 3 heures, 7 heures tu pourras utiliser pendant 21 heures, voilà. Bon, après, bon, il y a pas mal de trucs et tout, c'est plutôt intéressant. Puis en fait, USB-C et charge chi, c'est bien. Bon, parlons un peu des écouteurs. Écouteurs, une batterie de 40 milliampères. T'as vu le boîtier 450, nanana, divisé par 2, 5 fois, produit en croix, tout ça, voilà. Autonomie annoncée des écouteurs, 7 heures. C'est quand même plutôt pas mal, hein, en fait. Hein. Et encore une fois, bon, une fois que tu n'as plus d'autonomie, tu le remets dans le boîtier, tout ça, ça recharge. Bon, tu as compris un peu le principe. Bon, petit détail qui a son importance, nos écouteurs sont tactiles. Oui, bah quand tu appuies deux fois, ça va mettre play, pause. Après, tu appuies trois fois, tu pourras paramétrer un petit peu la configuration qui te convient. Et ensuite, si tu appuies longuement dessus, ça permettra de basculer sur les différents modes ANC. Mais on parlera de l'ANC dans l'application, ça aura plus de sens. Bon, parlons un petit peu du son. Un haut-parleur de 10 mm DLC Dynamic Driver. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'ils savent faire de l'audio chez One More? Y a pas à dire, voilà, en y mettant un peu le prix, on peut avoir une bonne qualité audio. Des bonnes basses, bien limites. Alors on n'a pas de grosses basses lourdes, encore une fois, c'est des écouteurs intra-oculaires. Mais on a des petites basses sèches, plutôt sympas, qui peuvent tirer un petit peu un médium bien précis, qui monte vachement bien dans les hauts médiums et dans les aigus et tout. Ah, quand on le met dans l'oreille, on se dit, ah, franchement, c'est pas mal. Bon, tu pourras également faire des appels, ils annoncent 6 micros dessus. Alors là, on va t'entendre un truc de fou, il y a la réduction de bruit, bien évidemment, mais forcément, ces micros sont aussi faits pour la réduction de bruit qu'on verra avec l'application. Bah oui, parce qu'il faut parler de l'application. Arrêtez. Alors, il faudra la mettre à jour. Hein. Quand vous mettez dedans, n'oubliez pas de mettre mise à jour de l'application, sinon il va vous manquer des trucs. Et ça, son importance. Bon, on voit le niveau de charge de l'écouteur gauche, de l'écouteur droit et du boîtier. Ça, c'est trop bien. On a le réduction de bruit. Donc, tu peux mettre soit sur off. Donc là, t'as pas de réduction de bruit activé. Tu mets au milieu le mode transparent. Et là, forcément, alors, petit truc, il faut mettre les trucs dans l'oreille, hein, parce qu'il reconnaît que tu les mets dans l'oreille, sinon ça marche pas. J'ai galéré, ça marche pas. Mais non, il fallait que je mette dans mon oreille. Oui, il y a détection automatique, voilà. Et le mode, en fait, bon, le mode transparent, c'est pour entendre ce qui se passe un petit peu autour. Et le mode ANC, et une des particularités de One More, c'est que dans le mode ANC, on a 4 modes. Le mode strong, super puissant, donc là, ça va couper tout. Le mode medium, le mode plutôt large, et le mode adaptative, qui est plutôt adapté par exemple pour les aéroports, choses comme ça, si vous voulez entendre un petit peu ce qui se passe. Ça, personnellement, je trouve que c'est juste, c'est pas la révolution, mais c'est vraiment trop bien. Bon, ensuite, on aura le custom setting qui permettra de choisir le double tap ou le triple tap, hein, en fonction de ce que tu veux. Alors, moi, double tap, j'ai mis play pause. Il n'y a pas de simple tap, voilà. Et le triple tap, j'ai mis à droite volume plus et à gauche volume moins. C'est ce qui m'intéresse le plus. Le spatial audio, donc pour avoir un son spatial, on en parlera tout à l'heure. Le smart loadless, donc là, encore une fois, c'est pour ajuster un petit peu l'égaliseur, si tu veux, plus de dominance au niveau des basses, des médiums ou des aigus et tout. C'est super intéressant de jouer un peu avec ça parce qu'on entend vraiment la différence de son. Quand on va un peu dans l'égaliseur, et enfin, c'était une des remarques qu'on m'avait fait, on me dit, ouais, il y a plein d'égaliseurs présélectionnés, c'est pas mal, mais si je veux faire le mien, il n'y avait pas. Et bien, grâce à la mise à jour, vous avez un custom égaliseur, vous allez pouvoir mettre le son qui vous plaît le plus, donc oui, c'est parfait. Et ensuite, on aura le dernier bouton, c'est la mise à jour OTR. Quand on clique en haut à droite, on a également un autre bouton, play, voilà, donc là, vous allez mettre, si vous voulez, quand vous enlevez les écouteurs qui se mettent en play ou en pause ou pas, hein, encore une fois, ça, c'est vous qui allez voir. Le smart burning, donc là, il n'a pas, expert de feature. Après, on a plein de menus
qui vous intéresse pas trop, mais pour revenir, on verra qu'on a le spatial audio. Oui, c'est une particularité des One More. Ils ont fait un espèce de système de surround, de Dolby. Ça veut dire qu'on a une spatialisation qui est différente. Pas un écho comme on peut voir sur pas mal d'égaliseurs et tout, mais on a une spatialisation où on a l'impression que les sons viennent de devant et sur les côtés et tout. C'est pas ouf ici, mec, de la musique. J'ai essayé en regardant des vidéos YouTube. Bon, pareil, en regardant un film, c'est un peu plus sympa et tout, mais la différence, bon, voilà, ça va surtout jouer un petit peu au niveau de l'écho et de la spatialisation, mais c'est très intéressant, au moins à tester. Bon, allez, au niveau de la technologie, ils sont bienvenus en Bluetooth 5.2. Ils sont IPX5, restant la transpiration, la sueur, tu vas aller faire du support. Ils sont AFP, A2DP, AVCRP, paiement HSBC, je suis obligé de faire la blague. Donc, si on doit faire un bilan, est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux, trop stylés et tout. Si vous aimez un peu ce style-là et tout, moi je trouve bien. Ils sont très quali. Voilà, le plastique fait très quali, le coffret, tout ça, tout ça. Voilà, le coffret recharge sans fil et recharge le type C. C'est un détail, mais pas mal de boîtiers ne font pas la charge sans fil, tout ça, tout ça. Voilà. J'aurais bien aimé le son, qui est super dynamique, super classe, c'est propre et tout. Voilà. On a toute la gamme One More, on travaille avec eux, on aura certainement tous les écouteurs qui vont produire. C'est vraiment un super son, et surtout on verra par rapport à son prix. Les 6 micros pour les appels, c'est pas flagrant, mais pour les modes ANC plus les 6 modes ANC, encore une fois, c'est vraiment la possibilité de régler. On met l'ANC, mais tu peux régler en fait la puissance de l'ANC et tout, ou le mode transparent, ou alors l'éteindre et tout. C'est vraiment de l'affinage qui est pas mal, et en plus bon, on a le possibilité de mettre l'égaliseur dans l'application. Je sais que ça va faire plaisir à certains. Bon, le son spatial, c'est un petit gadget en plus qui fait plutôt plaisir, puisque encore une fois, pour ce prix là, bah on en a vraiment plus. Mais oui, t'es en train de te dire combien pour les écouteurs dans la vitrine. Bon, allez, sur le prix comme ça annoncé, ils sont annoncés pour le lancement à 109,99 $. 110 $. Qui est pas un prix de fou, hein. Les Apple trucs, c'est 250 balles. 289, je crois même pas, que ça, voilà. Bon, 110 balles, enfin 110 $. Enfin bon, maintenant la parité euro-dollar, vous aurez compris. Même avec la TVA, tout ça. Et pour compenser, vous dites, oui, ben 110, c'est avec la TVA. Eh ben, sachez que pour compenser ça, il y a un petit coupon de 20 €. Enfin, de 20 $. Donc 109 $ moins 20 $, on aura compris un petit peu la blague. Ça commence à faire un prix qui est super intéressant. Alors, je vous mettrai le lien directement de leur site web dans la description. Ils sont également disponibles sur AliExpress. Alors, je sais pas à quel moment ils seront sur AliExpress ceux-là, mais vous pourrez les acheter aussi si vous préférez acheter sur l'un ou sur l'autre. Je mettrai les deux liens dans la description. Moi, je trouve que pour 110 balles, ils en apportent vraiment, vraiment beaucoup plus. Et si vous cherchez de très bons écouteurs avec plein de fonctions, les fonctions un peu actuelles, dans la recharge sans fil, l'ANC, l'ANC réglable, le mode transparent et une bonne autonomie, je trouve qu'à 110 balles, c'est de la balle. Allez, tu mets un commentaire en toutes ces vidéos pour dire ce que tu penses des écouteurs. Je lis tous les vidéos parce que quand tu mets un commentaire, c'est bon pour le référencement. Donc je lis, je mets un petit cœur d'amour et je réponds à ton commentaire. C'est bon pour le référencement. Merci à tous ceux qui soutiennent un petit peu l'aventure, voilà, ça permet un peu d'avoir vos réactions. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo, pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement, ça me permet un peu d'avoir vos réactions. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis plutôt content de ces écouteurs, parce que voilà, il y a le casque, il y a les intras, tout ça de la marque et tout, et on aura vraiment tous leurs produits. C'est un bon produit au bon prix, et voilà, ça me fait kiffer. Voilà, dis-moi ça en commentaire. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe, je donne rendez-vous dans quelques jours, plein de reviews pour finir le mois, en veux-tu, voilà.